chers amis, votre frère le pasteur Daniel Pellissier a le privilège de vous présenter une autre émission à l'occasion du bicentenaire de l'évangélisation d'Haïti. Alors, nous t'es déjà ouais, qui Jean, n'est-ce pas, Haïti était touché par l'évangile, par le ministère d'Étienne de Grulet. Mais il y a un aspect important de l'histoire d'Étienne de Grulet, c'est que le Seigneur t'est bali au ministère international. Il était grand appel pour te prêcher l'évangile dans le monde entier. Il est vrai que l'été gagné en pilien avec Quakers qui ont habitude pa yo, mais c'était l'évangile. C'est un groupe évangélique qui a influencé, n'est-ce pas, le monde. Et Étienne de Grulet, ou capable dit, a une vision aussi de la justice sociale. Parce que déjà, dans le ministère li aux États-Unis, comme nous t'expliquons déjà, c'est un monde qui, c'est un Français d'origine que lié, li allé aux États-Unis. Et là, il fait les Américains. Et dans la situation côté il était en difficulté, il était en enseigner français à un certain moment. Mais lorsque le Seigneur vient appeler lui au ministère, il était prêché contre l'esclavagisme. Il n'a pas voulu pour le monde, Québec, le monde comme esclave. Et dès lors, il ne parlait même avec le monde. Et qui gagne esclave pour dire non pas qu'à traiter être humain comme ça. Et on connaît, il fait avec une telle sagesse, une telle grâce que quelquefois maître esclavio fait esclavio réuni pour venir entendre l'évangile et que la prêcher. Et gagne yo qui était touché par son ministère, par parole de grâce qui a sorti de dans bouche li, yo était abandonné pratique ça. Yo pat n'est-ce pas qu'un esclave, yo traité moun tant que esclave, yo te fait ça en l'autre gens. Donc Étienne de Grulet est un ministère spécial ou ka di mondial, l'aller en Russie, l'aller Norvège, li prêcher en France, li prêcher dans le monde entier. C'était tant kou si nous t'a comparé dans une certaine mesure avec un Billy Graham dans 18e siècle. C'est comme ça nous t'a considéré, bien que nous cap du ministère t'est passé particulièrement dans 19e siècle, mais li entre les deux. Et donc pendant 19e siècle là il était prêché l'évangile, et c'est dans circonstance ça en 1816 il va l'entrer en Haïti. C'était le 17 juillet 1816 que il était entré en Haïti pour te commencer à prêcher l'évangile, mais quand il était débarqué, c'était au Caï. Alors, lui n'est-ce pas débarqué là, moun yo te recevoir avec un pile sagesse, li wè quelques familles et puis li essayé faire moun konnen vle prêcher l'évangile. C'est ton serviteur de Dieu nous a dit qu'il était un ministère d'évangéliste. Et le fait que débarquer au Caï, il était un petit découragement parce que tu as quelques prêtres espagnols, prêtres catholiques espagnols avec quelques moines qui t'ont fait obstacle pour ne pas prêcher l'évangile, pour l'évangile là pas prêcher là. Eh bien, Étienne de Grulet t'a prêché l'évangile là, il a ouvert place pour lui à un certain moment. Il était remporté victoire sous problème ça yo, et le général en chef du département du sud vint de l'évangile, il rassemble militaire yo, il rassemble officier yo. Il dit que les l'a gardé yo, gagnant yo c'est noir net, gagnant yo qui ont petit couleur, petit Jean clair, et même yon prêtre catholique yo te vient assister dans service là. Tout le monde était en silence, il y a tant de paroles là, et il est content de ce que il était l'amour de Dieu, voyait un prédicateur venir prêcher l'évangile, il est touché par le message de l'évangile. Et il y a un bagage qui est arrivé dans la période ça, le passé au Caï, c'est que moun yo était bouqué avec conduite prêtre, parce que ça qui est arrivé le ça, ou qu'on est avec question célibat des prêtres, en pile là, yo pas respecté et conduite yo que t'as dû gagner, et avec qualité bagaille qu'a enseigné, moun yo pas satisfait, et c'était une grande joie pour yo te recevoir l'évangile de la bouche d'Étienne de Grulet. Et le 30 juillet, l'été gagné 5 autres services qui étaient bien assisté. Pile monde devine la donne.
li te gagnon alors on connaît le ça te gagne blanc français qui était toujours en Haïti qui était rété li te gagne service avec population blanc français qui était là ou bien ça qui était rété en Haïti ou gagne YouTube te ka vinn l'autre côté mais en général nous connaît c'est pas tout qui était et massacré par des salines lorsque tu as un massacre général donc tu as une population dans le sud de l'actérité et bien Étienne de Grelais tu vois où le prêcher ou l'évangile et puis li ouais tout en pile là yo touché par l'évangile là li te mené Bible li mené Nouveau Testament en français et il prend l'autre livre de piété et bien en pile moun te recevoir livre ça yo alors les gars des côtés rencontrer l'autre toute population rencontrer oui rencontrer toute qualité moun c'est pas blanc yo seulement rencontrer mulat rencontrer noir il fait réunion avec toute qualité moun pour prêcher l'évangile dans période ça et dans cette période délicate de l'histoire d'Haïti et bien Étienne de Grelais t'a fait l'évangile là entrer alors après ça le fait les acheter cheval l'aller diriger dans Port-au-Prince mais là ça lui dit pas capable prendre yon l'autre qualité moyen pour entrer si à cheval parce que route yo pas tellement en forme l'elle quitter au caï premier côté l'aller dans habitation général Bourgeois là c'était un mulat l'itéye qui son monde qui était bonnet comme un général qui bien présenté général Bourgeois là recevoir Étienne de Grelais avec un pile courtoisie avec un pile hospitalité et puis li entré dans Kali li gros chambre li était dans Kali et bien li gagne un paquet de famille un pile membre dans famille li était venu et li gagne 100 monde qui travaille dans plantation sucre que général Bourgeois là gagne. Eh bien, yo tout te vini, yo tap tande la parole de Dieu que Étienne de Grelais tap prêché. La présence de Dieu était là dans moment ça. Yo di moun yo te solennel, y a tande parole là et pour être de l'eau a couler dans yo. Ça veut dire parole a pénétré dans cœur haïtien ou le ça. Toute qualité moun yo que la cap tande a, yo touché par la parole de Dieu, la grâce de Dieu te vini et bon côté yo. Et alors n'a petit j'en fait un peu plus court pour nous cap ouais bien toute qualité expérience Étienne de Grelais t'es fait après ça il quittait le zone ça l'aller dans Cavaillon alors dans façon l'écrit écrit Cavarillon mais nous pensons c'est Cavaillon alors il était gagné n'est-ce pas l'autre rendez-vous encore il dit l'elle rivé là même prêtre catholique là t'es encouragé service yo il pas de gagne opposition même j'en t'ai gagné elle t'ai fait écrire au cas avec prêtre espagnol yo alors il yo fait plusieurs yo geta annoncé ça gon prédicateur vini pour aller prêcher l'évangile Étienne de Grelais déclaré l'elle rivé là li wè parole la fait effet dans cœur moun yo prêté attention avec lui bien tard li rivé manger et ensuite li té prend route là pour aller dans Saint-Louis certainement c'est Saint-Louis et du sud mais vin gon expérience n'est-ce pas que li va le faire plus tard l'elle rivé et pour au prince li pral rencontrer avec le président Alexandre Pétion. Rencontre avec Alexandre Pétion on son bagay qui t'a doué on ti jan retourner sous lit parce que nous pas quoi Haïti té un président qui intéressé comme ça à l'évangile. Ou mande ou cette intelligence qu'il té gen intérêt ça gen pour l'évangile. À partir du moment que li vini président d'Haïti, l'a cherché faire prédicateur l'évangile vin dans pays a pour prêcher l'évangile. C'est un phénomène extraordinaire et on m'a demandé est-ce que le pas converti, est-ce que le pas touché par l'évangile, comment le fait gain intérêt comme ça pour la parole de Dieu. Et venons voir qui Jean Étienne de Grelais parlez-nous de rencontre li avec Pétion. Il dit l'elle rivé pas au prince, il fait une rencontre avec Alexandre Pétion qui t'étendé parler de lui. Il recevoir nous avec un pile bienveillance. Lui même remercier bon Dieu de ce qu'il t'a porté nous pour nous visiter l'île-là. Il t'a protégé pour arriver sans accident. Pétion remercier bon Dieu pour ça. Nous pas d'oublier tout que Grelais t'a gain avec lui en compagnon. C'était John Hancock qui t'a accompagné. Mais dans compte ça, là-bas nous, n'est-ce pas témoignage qui j'ai le t'a figure Pétion, dit Pétion c'est un mulat, un homme qui de haute taille, qui fort. Mais il est très simple dans la manière. Il dit que c'est par principe qu'il était simple. Parce que le pavle ba moun yo qui en bas yo image de pour monter sous pouvoir
Oh, c'est qualité gros démonstration pour faire moun ouais c'est chef ouyé Pétion c'était grand pile l'humanité et l'histoire il dit que il pas jamais permettre que yo puni moun à mort yo ba moun peine de mort il pas permettre que yo fait ça que yo tue moun même moun qui conspirer contre lui et plus tard te gagnon nan et moun qui était plus tard venir visiter Haïti lorsque Pétion était mort il était ouais dans tombe Pétion parole ça a été écrit il pas jamais fait moun crier excepté l'heure de mourir. Donc Pétion c'est un homme de bien et c'est très rare, c'est pas ça qui intéresse nous seulement le fait que ton homme de bien, mais c'est intérêt pour l'évangile. Et l'heure rivé le plus tard et le 11 août Étienne de Grelais t'a gagné plusieurs réunions d'édification. Alors t'a gagné l'autre gamin qui est venu il dit c'est pas curiosité mais il vient entendre l'évangile là, il a prêté attention à parole là. Alors Pétion dit bah ça pour t'a fait bien, c'est pour t'a fait service là dans la grande cathédrale de Port-au-Prince. Étienne de Grelais elle remarqué que prêtre pas d'accord non pour t'a utiliser et place ça pour aller prêcher l'évangile comme ça. L'histoire dit donc que Pétion déclarait que vos entretiens ont le culte divin pour objet et c'est dans ce même but que les églises sont bâties. Prêtre la te vini vraiment, il était accepté pour Étienne de Grelais te faire service à là. Alors il dit c'est curé, c'est comme ça le mettait, il dit c'est curé qui t'a accepté ça. Et puis le tout le regarder monsieur ça, il dit ouais son monde, ça qui intéresse lui, c'est 20,000 dollars l'a fait par année à. C'est ça qui intéresse, le petit cob l'a fait, c'est ça qui intéresse et puis son monde tout le joindre l'argent curé ça. Si moi c'est archevêque là parce que pas qu'on monde dans période ça t'a touché gros comme ça sans pas ton gros tête dans l'église pour ouvrir porte l'église là pour grûler tes qu'a fait service d'évangélisation et l'évangile là il était prêché mon yo tendait la parole de Dieu avec un pile intérêt gen moun gloa couler dans yeux yo yo était vraiment tendait parole là. Le 12 août il était en l'autre service encore et peuple là il vient comprendre la nature de l'évangile qui j'en pourra pas adorer le Seigneur parce qu'on est croyant qu'on fait ça en pile il aurait en silence il a prié en silence et monyo l'aurait été il a prié vraiment et de l'eau coulait dans les yeux ou senti touché par l'évangile il est touché par la parole de Dieu et là ça c'est un bel service en pile monde il senti t'est touché et recevoir l'évangile. Le 18 août il était gagné on l'autre rencontre encore. Li fait plusieurs autres services dans plusieurs parties dans ville là et en pile monde te vinn gain opportunité pour venir assister avec service là. Alors gagnan yo n'est-ce pas yo te touché par la parole de Dieu et en pile monde yo qui te vinn dans yon nan service yo li di en pile c'était des femmes que yo te yé nan matin qui te le premier jour eh bien li te gain rencontre avec 6000 militaires dimanche oui. Dimanche matin et yo tout yo rete devant palais Pétion parce que Pétion t'a fait gros service pour recevoir et mais ça pour faire Étienne de Grelais prêcher devant les militaires pour c'est un gros service un paquet de monde t'a tendé l'évangile là le ça yo tendé et gain quelques monde dans population en tout qui ouais ça yo vinn assister à parole là. Et Pétion t'a tellement apprécié mouvement ça le chita beaucoup côté Étienne de Grelais dans la tendé parole là il tendé. Alors Étienne dit nous que le ça il parlait des richesses insondables du Seigneur, l'a décrit nature que de la justice du royaume, bénédiction qui dans royaume bon Dieu, il prêchait il parlait de la joie du Saint-Esprit. Et puis il a invité pour y être rangé, n'est-ce pas, en bas le prince, en bas autorité du prince de paix Jésus. Il prêchait l'évangile là, l'a prêché. Et puis tant est calme, monde m'entendait, en puis le monde t'attendait avec soumission et après service ça et le service a fini, le général en chef Boyer, futur président d'Haïti, vini avec toute équipe yo, tout l'autre gros militaire yo qui était avec lui, li vini remercier Étienne de Grelais de ce que yo t'ai prêché l'évangile là, yo t'ai content avec parole là que t'ai faite là. Le 19, il était l'autre service encore. Où l'évangile a entré en Haïti?
moun y a touché par la parole de Dieu. Et là ça c'était une réunion qui était faite la caille président Petion même dans côté le petit Jean dehors, et bien c'est l'altérité. Et la bonne image encore de Petion qui j'ai impressionné par conduite Petion. Il dit l'eau est Petion, Petion mange une seule fois par jour. Il pas boire l'autre bagaille c'est l'eau le boit. Et puis les gants table qui bien fourni, on le président d'Haïti quand même, les gants table bien fourni, les cap bon manger sous table là, mais il pas manger avec excès. Et dans un moment ça, il y a à peu près 60 monde qui était présent à côté de famille Pétion. Tout le monde très sérieux et il était tendé message là avec un pile soumission. Alors le 21 encore, il y a trois autres services que Grelet était organisé. Le ça dans la maison du colonel Sabour elle était faite. T'es l'autre plusieurs rencontres il fait encore dans ville d'Haïti, il prêchait l'évangile. Donc l'évangile a prêché sérieusement par le ministère de cet homme de Dieu pendant la paix prêcher l'évangile, elle a annoncé mounio, n'est-ce pas, le mystère de Christ et la paix c'est convaincre mounio tout dans bagage parce que les haïtiens yo t'es gagné un problème là-dedans, son nation presque formée de militaires, selon Jean Théouen là, donc on prend dans le temps ça, tout le monde presque dans l'armée, et mais en pile là, ils vivent dans le concubinage, ils sont mariés, qui ont fille de yo, nous qu'on est habitué de militaires, ils sont bagaille qui étaient là longtemps, Étienne de Grelet prêché au l'évangile, dit qu'ils n'ont pas qu'à conduire comme ça, et en pile là, ils sont placés, ils disent qu'ils nous marier, exemple, ça n'a pas là, pas bon pour Timounio, nous pas arrêter dans place ya, li enfin l'encourager, li prêcher l'évangile là, li pas bailler parole là demi, li bailler parole là dans plénitude li pour autant d'li en pile t'est touché par n'est-ce pas parole ça. Ou l'autre problème encore t'a attaqué là avec lui, c'est qualité Timounio. Li dit les enfants ici, les noirs de cette période, yo étaient très intelligents, yo pas rien à envier. Parce que ce monde qui voyage dans le monde entier, il dit noir Haïti ça olte wea pas gain rien pour envie avec ti moun li wè dans le monde yo genre éducation yo intelligence yo pas inférieur en rien y apprendre bien et puis gain l'école tout côté. Comment yo gain l'école tout côté. N'a comprendre bien oui, on est au 19e siècle Haïti là dans une situation capable dire une nation qui fait former. Et il y a deux royaumes, Christophe dans le Pétion, dans l'ouest avec le sud. Eh bien, nous sommes capables de dire, l'Elgade, c'est dans le sud là, il y a toujours. Eh bien, l'Elgade là, il y a haïtien vraiment. Et, mais seul problème, il y a français yo, qui quittent, qui quittent le pays, ya, qui n'ont pas de mauvais livres, qui ont pile d'immoralité là-dedans. Et ensuite avec les philosophes français, c'est eux, philosophes français 18e siècle, c'est eux, qui ont été incrédules. Et Timounio, depuis qu'ils sont sortis, ils ont commencé à lire, très intelligent, ils ont lu Bonheur, ça, livre est tombé dans mes yeux. Et qui livre qui est tombé dans mes yeux, c'est le livre Monsieur Philosophe. Ça, alors, le bagaille, c'est ou pas bon, il fait pétition, fait ou débarrasser le livre. Il pote le Nouveau Testament, il pote la Bible, il pote le livre Piété, et puis il dit, bah, c'est ça pour vous mettre dans l'école. Est-ce qu'on connaît pétition, fait ça vrai? Ils ont formé un belle bibliothèque côté au gagnant livre chrétien la Bible le Nouveau Testament et c'est maintenant fait pour nous remarquer dans l'histoire d'Haïti plus tard ou pral ouais yo entré l'enseignement de la Bible dans les écoles donc son influence qui commençait à partir de ce travail que Étienne de Grelet a fait Pétion était bien content avec ça il y a un autre bagage Pétion a fait encore c'est pour nous faire ouais qui Jean il était intéressé à l'évangile, il était même dit pour pas voyer prêtre encore, il était même ces pasteurs qui viennent pour prêcher, pasteurs qui viennent prêcher bon l'évangile là pour yo, il pas de vle pour bagaille ça continuer encore. C'est pas étonnant pour nous ouais attitude ça de la part de ce président. Ou gain là, on image de Pétion qui dressé pour nous par un évangéliste, un monde qui t'a prêché l'évangile, qui rencontré lui et personnellement, il dit Pétion retirer toute vieille livio, il retire yo et puis il retire toute qualité bagaille qui cabaille ti moun yo mauvaise influence, il formé en bibliothèque côté n'est-ce pas, yo mettez livre l'évangile, côté y a mettez livre la Bible, côté ti moun yo apprend. Donc ça sont exemples à suivre parce que cette culture gris des gris que nous vinn gen là, la gué pays nous en trou.
l'influence de l'évangile qui a transformé mon nation, et malheureusement, cette influence n'est pas traitée haïtien pour te quitter bah, bon bagaille ça yo. Mais exemple ça que Pétion tracé là, c'est une grande bénédiction, mon exemple pour génération que tu as venu après. Malheureusement, exemple ça, il n'a pas suivi. Et nous, qui je n'est pas, cet homme a prêché l'évangile dans le pays. Et l'élite politique, militaire, toute classe dans la société haïtienne a recevoir un message d'évangile là. Ce n'est pas vaudou qui a prêché. Ce n'est pas pratique superstitieuse. Mais on a soif pour entendre la parole de Dieu. Maintenant, le 22 du mois d'août, Étienne de Gaulle quittait l'allée du fort. Il est arrivé dans la plantation générale Jinac, qui est secrétaire d'État de Pétion. Le ça, il est arrivé quand général Jinac, il a gagné, n'est-ce pas, un bel service dans la plantation, dans l'habitation. Il a dit, regardez, nous avons pile moun yo vini pour entendre l'évangile. L'allée encore, après l'allée dans Jacques Mel, il prêchait l'évangile. Gè côté moun yo dit, yo pas besoin, prêtre, yo voyez l'autre prédicateur pour nous venir entendre l'évangile là, pour nous entrer pifon dans l'évangile là. Donc, tu as un intérêt pour la parole de Dieu dans cet temps d'histoire d'Haïti. On temps qui gampile délicatesse là-dedans. On va regarder nous ne pouvons pas si témoignage de cet homme de Dieu pas de venir joindre nous. Mais nous devons comprendre, très chers bien-aimés et très chers auditeurs, intérêt ça pour l'évangile que nous avons dans la société haïtienne en 1816. Son bagage qui est nécessaire aujourd'hui pour renouveler et pour en Haïti. Nous avons répété la parole cantique ça qui dit « Sauve Seigneur et bénis notre cher Haïti ». Les Haïtiens ont besoin de faire ça, ils sont sensibles à l'évangile. Comme du reste, dans le temps, Étienne de Gaulle, il dit « Tout côté le passé, il est ouvert pour recevoir l'évangile ». Mais il y a un problème cependant, il y a la parité. Pas de gain l'autre prédicateur qui vient, mais on travaille qui est bien organisé et pour faire suite avec la campagne d'évangélisation. Ça, nous pensons que ça t'est manqué. Bien que tu aies un bagage qui fait après, parce que Étienne de Gaulle, plus tard, après le malade, il n'est pas arrivé à aller dans la partie nord du pays à côté Christophe, Henri Christophe, t'a prégné. Parce que là, ça nous dit que c'était période côté Haïti était divisé en deux. Et le royaume du nord en bas et puis la république d'Haïti avec dans l'ouest et dans le sud avec Pétion. Mais qu'on bagaille nous apprendre par l'histoire d'Haïti, nous penser que si bon Dieu te permet ça, c'est ta pour grande bénédiction de ta pied, parce que Christophe aussi, Henri Christophe t'intéressé à l'évangile. Peut-être qu'il n'est pas aussi doux que Pétion, il n'est pas aussi réservé que Pétion, mais il est intéressé à l'évangile. Et cependant, on connaît les choses de Dieu, c'est mystérieux. Et Gwélève est tombé malade, l'obligé de retourner à la fin du mois de septembre. Il est retourné à New York, il est arrivé en octobre, au commencement du mois d'octobre. Et missionné en Haïti, pas de continuer, j'ai l'intention de faire là pour t'aller dans. Et une partie nord pays. Dantes Bellegarde fait nous connaître que Henri Christophe t'a préparé l'avènement du protestantisme en Haïti pour pays à te prendre l'autre tournure, parce que le senti l'évangile là t'es qu'à faire progrès fait dans pays. Nous aller loin de cette vision de ces chefs d'État du passé. Et l'histoire, historien aurait même fait portrait comme monde qui t'intéressait à pratiques superstitieuses à vaudou. C'est pas comme ça l'histoire t'est vrai. Son menti, monsieur Griot a changé l'histoire d'Haïti pour nous. Il a fait nous voir Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe Pétion comme vaudouisant, mais c'est pas vrai. C'était des monde qui intéressé à l'évangile et c'est pas même on intérêt à l'évangile comme ça non, il est intéressé au mouvement évangélique, à la Bible, à l'enseignement de la parole de Dieu. Particulièrement nous voir ça dans la caille Pétion, mais si détail que dans Tess Bellegarde bah nous pas gain pas d'un pile et formation sur orientation spirituelle que Henri Christophe te Capran, mais nous avons là le témoignage de Étienne de Gaulle qui dit nous Pétion était tellement intéressé à l'évangile que il était formé, n'est-ce pas, bibliothèque li pour livre spirituel, il était la donne. Et lorsque tu as un tremblement de terre avec un ouragan passé, il était tellement intérêt pour la formation spirituelle des jeunes, pour être intéressé à la Bible, à l'évangile, aux valeurs spirituelles, que y a une question qui était posée lorsque le temps d'un pile cas a été écrasé par le prince, est-ce que librairie a campé
est-ce que librairie a toujours là parce que il t'intéressé, il a un souci pour l'évangile là. Tu besoin dès le départ, depuis le monter sous pouvoir, il t'a demandé pour moun yo voyer chercher en Angleterre missionnaire l'évangile et l'elwe grele vini, ça avec joie les recevoir. Alors, nous avons pile surprise nous pas prendre ciel là. Oui? Non pile moun nous pas connait si yo là. Nous ka wè yo en l'air, oui. Alors l'éternité va dire non parce que bagay sa yo appartenu à Dieu. Mais exemple que monsieur Sayo quitté pour nous, ces chefs du passé quitté pour nous, haïtiens ont besoin connait yo. Yo besoin suivre yo parce que heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Yo te connait ça très très bien. C'est pour ça yo te recevoir l'évangile avec empressement ça. Malheureusement, moun n'entend yo pas comme ça. Et vous comprenez ces pratiques superstitieuses yo qui culture nous. C'est là pour nous aller, c'est bagaille ça pour nous kembe. Et puis malheur dévoré pays, car si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts, dit le prophète Isaïe, ceux qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu, s'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants, à la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point de droit pour le peuple. C'était votre frère le pasteur Daniel Pélissier dans son émission du jour. Merci d'avoir été.